Ok, ça marche. Je vais
Allez les gars, tous ensemble, allez, allez, allez. Allez, Papo. Allez, Papo, allez, allez, Papo. Allez, poule. Allez, fais quelque chose de simple, hein, poule. Vas-y. En français. En français, c'est ça. Ça passe aussi. Je vais bien. Ah, tu réfléchis là. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, tiens, 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 what is this some feeling? Avec nous Maxime, donc Maxime, victoire 2-0 aujourd'hui face à Jurenor, ta réaction? Ouais, c'est une bonne victoire, c'est important de continuer à rester, de répondre présent à domicile après la défaite de Quatre-Rivières, enchaîner une deuxième victoire après celle de Dole. Maintenant, la première mi-temps a été très très laborieuse, était à l'avantage de Jurenor, qui méritait peut-être d'ouvrir le score sur cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, on s'est remis vraiment au travail. Un milieu de terrain conquérant, les rentrées, les remplaçants ont fait du bien, ont apporté une petite touche technique, ce qui nous a permis de jouer un petit peu plus dans le dos de la défense et de jouer sur notre vitesse. Et un fait de match qui aurait pu changer le cours du match, le pénalty sifflé et puis bon, un grand Papo qui nous sort le péno. Ouais, on dit toujours que les gardiens, il faut que ça rapporte des points, je pense qu'aujourd'hui c'est le cas. Il nous a amené 2 points qui nous manquaient. Ouais. Ok, merci Max. Avec nous Papo, victoire 2-0 aujourd'hui face à Jurenor. Première mi-temps difficile, ensuite on a bien réagi en deuxième avec une bonne entame et on a su mettre la pression comme il fallait. Oui, ça fait toujours plaisir de gagner un match, mais en première mi-temps c'était laborieux et tout, mais le coach pendant la mi-temps il nous a bougé un petit peu, donc on a su réagir et puis voilà, derrière on a su marquer les deux buts et puis c'est bien pour la suite. Ben, victoire 2-0, par contre le score aurait pu être tout autre s'il y avait donc à la 32e le penalty, donc fait de match important et là tu sors l'arrêt Papo. Oui, c'est important toujours, je suis là pour ça, je suis mon gardien de but, donc dans les moments importants il faut que je sorte le jeu et tout, donc ça nous a fait du bien, ça aurait pu être un autre match s'ils arrivaient à égaliser, mais c'est vrai. Mais j'ai pu arrêter le penalty. J'espère que ça nous a fait du bien pour la suite. Et puis derrière, on a marqué le deuxième but pour payer le match. Alors, on a Papo qui arrête les buts, on a Moussa qui marque des buts. Par contre, que ce soit Moussa ou Papo, au niveau des cris de guerre, c'est pas ça. Hein. Oui, ça, je suis timide sur ce côté. Mais bon, ce qui est important, c'est sur le terrain et tout. Donc, c'est homologué pour la suite. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les matchs qui vont suivre et tout. Donc on a un groupe qui vit bien, franchement, donc le coach qui est près de ses joueurs, c'est important. Donc je pense que ça va le faire d'ici la fin. Ok, merci Papo. C'est avec nous Guillaume Duc, Guillaume, victoire importante aujourd'hui, même si elle a eu beaucoup de mal à se dessiner, notamment par rapport à une première période plus que difficile. Ouais, en première mi-temps, on a eu beaucoup de mal à poser le jeu, on a perdu trop de ballons au milieu de terrain, et donc on n'a pas réussi à se créer d'occasion. On peut rentrer à la mi-temps avec 2-0 contre nous. On rentre à 0-0, on se fait bien recadrer à la mi-temps. Et il y a eu des changements de joueurs qui ont été bien faits par Max. Et ça, on a vu la différence en deuxième. On a bien posé le jeu. On a eu quand même pas mal d'occasions en deuxième. Mais, on met que 2 buts en ayant un pénalty contre nous à la 70e. On peut perdre le match, je pense, là-dessus. Un truc tout con, sur une touche. Mais Papo nous fait un grand arrêt 2 fois. Et après, on met le deuxième qui nous libère. Et c'est un bon match quand même. Donc on sent un groupe qui vit bien, après la défaite face à Quatre-Rivières à domicile il y a 15 jours, bonne réaction la semaine dernière à Jura de Loire, on enchaîne aujourd'hui, donc vraiment le groupe qui vit bien et qui n'est pas resté sur la défaite. Ouais, j'étais pas là la semaine dernière, mais déjà quand tu regardes la compo de Jura de Loire et puis celle-là, il y a quand même 4-5 joueurs qui changent, il y a le banc qui a tourné, il y a Mehdi et moi qui sommes arrivés. Donc il y a vraiment de la concurrence, on se tire la bourre à l'entraînement, donc c'est que positif pour nous. Ok, merci Guillaume.